allons apprendre à proclamer sa foi et nous-mêmes nous en trouverons ensuite. On dira oui, je crois, et nous-mêmes ensuite nous répondrons aussi oui, je crois. Adriana, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous tous ici présents et en courant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Oui, je crois. Adriana, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, que notre Seigneur est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous tous ici présents, croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu? Oui, je crois. Adriana, crois-tu à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous ici présents, croyez-vous en l'Esprit Saint agissant dans l'Église? Oui, je crois. Oui, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer et dans laquelle Adriana va maintenant être baptisée. Aujourd'hui, et comme vous vous êtes engagé ce jour-là, je vous invite maintenant à apprendre à d'affiner cette foi à travers ce cierge, à travers aussi cette profession de foi qui nous vient de l'Église. Ici rassemblés devant la communauté qui t'accueille, je t'invite à redire devant tous et à proclamer par foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Thank you.